Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Donc j'ai pu demander conseil à un ami, littéralement, hein, plus c'est pas juste pour faire la blague du comment du truc. Et apparemment faut que j'aille dans le métro, que je retourne voir les ghouls. Et ces ghouls ont dans leurs appartements, on va appeler ça des appartements, donc une cave que j'avais dû vous montrer dans un épisode apparemment. T'as quelque chose à lire ? Apparemment on peut descendre. Aff, on peut descendre. F5. Hop, on descend. Il y a des brimes mortes, c'est cool. Bizarre. Des fongeux. Génial. Des fongeux. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Fusil à canoncier. Tiens, calibre 12. Ouh. Oh, je me sens l'âme d'un Mad Max. Hey, l'ami. Tu aimes ça, manger des pétates? Boum! Ah, et ça c'était ma tête. Aïe, ça c'était ma tête encore une fois. Ok, on est passé à deux doigts de la mort pour rien. On recharge et on retourne le voir. Boum! 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 Voilà! Respecte mon autorité. Merci. Prudence. Pourquoi prudence? Apparemment, il y a quelqu'un d'autre dans le coin. Oui, il y a un autre fangeux. Hop. Photo. Oh, tu es sérieux là? Bon. Toujours mieux que rien. F5. On va manger un petit peu, je pense, parce qu'on a pris quand même extrêmement cher. Prendre de l'eau purifiée même. Hop. Et un petit steam pack qu'on a acheté dans le précédent épisode. Donc il est vachement cool ce pistolet. Alors un rail, on est dans le métro? C'est des grenades ça. C'était des grenades. Donc j'aimerais juste retrouver ce qui a déclenché le truc. Parce que je l'ai pas vu et apparemment c'est pas la première fois que je me fais piéger connement. Ah d'accord, il est là. Désamorcer le déclencheur. Oh. F5. Et voici donc le bouquet de grenades. Hop là, je peux pas récupérer les grenades? Si, j'ai dû les récupérer. Et récupérer 3 grenades, voilà. Des fongeux vides, donc il y a forcément quelqu'un dans le coin. Alors on m'a dit que c'était quand même assez piégé. Je pense que ça le prouve bien, non? Désarmer le piège à ours.
Hop, on se regardera de temps en temps. J'entends des bruits bizarres, je sais pas vous. Je l'ai vu qu'au dernier moment. Alors est-ce que... Oh, on est un peu loin. Hop, le voilà. Activer, non, ça ne m'intéresse forcément pas. Piège à ours. Piège à ours juste ici. On désarme le piège à ours. Hop. Oh, ça me dit quelque chose. Il est génial. Ce jeu est vraiment génial. J'espère que le 4 sera au moins aussi bon. Et apparemment, c'est bien parti pour. Le landau, quoi. Le landau explosif. What the fuck? F5. Oh putain. F9. Je l'ai pas vu, quoi. Fais attention, Marcus. Tu sais même pas ce que tu cherches. Il y a une porte sur la gauche. T'as désolé la capitale, c'est pas par là que je veux aller moi. Apparemment, y a pas grand monde pourtant. Putain de mine à la con! Ah! Juste pour voir, par contre, j'ai besoin de voir si j'ai le niveau pour désamorcer une mine. Oui! J'ai eu la chance de pouvoir la désamorcer. Y'a pas genre une deuxième là? Non, c'est un caillou, c'est un caillou, c'est un simple caillou, chers amis. N'ayez crainte. F5, sauvegarde rapide. Je suis mauvais pour les pièges, hein. Ça va être mignon quand on va être à Minefield. Regardez là. Hop là. Mais c'est où que je suis censé sortir? J'ai loupé quelque chose sur la map. Je pouvais pas y aller là. Putain, j'ai l'impression de le planter. Oh putain, non. Je crois que je me souviens. On est au bon endroit. Je crois. Non, bah non, je me suis planté. J'ai cru, l'espace d'un instant, chers amis. J'y ai vraiment cru. Bizarre. Oh, mon ami ne m'aurait pas induit en erreur. Boîte à outils vide, ça ne m'intéresse pas. Boîte à outils pleine, ça m'intéresse déjà un peu plus. On va tout prendre pour le plaisir. Il y a un truc que j'ai pas dû bien faire. Il y a un truc que j'ai pas dû bien faire. Alors, un instant.
Re, chers amis, donc, excusez-moi, hop. On a dit qu'on allait re-rentrer, qu'on allait reprendre celui-là. On vérifie quand même que ça n'a pas réamorcé certains pièges. C'est pas à droite, là? Non, je suis déjà allé voir tout à l'heure. Oui, ça mène à rien. Ça mène à rien. Qu'est-ce que j'ai pu louper d'autre? Ça m'inquiète. Si, à droite, là, mais ça menait nulle part, c'est ça, non? C'est ce que j'ai dit, c'était bloqué en fin de route. Par contre, du coup, s'il y a des pièges au sol, je vais me faire rue. Putain, on passe, là. Ah, la gueule! ...45 en réparation, putain, fait chier. Intéressé ce truc là. Bon, par contre j'ai loupé de l'XP pour un piège. Là il y en a un autre. Désamorcé. C'était pourquoi? Eh bien je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'était censé faire ce piège. Hop. Ouais, il y a un bonhomme. Un bonhomme sympathique. Non, pas de musique, pas de musique, pas de musique. Pas de musique. Oh, oh, doucement, cette zone est réservée aux membres de la famille. Vous croyez aller où comme ça? Je dois vraiment passer, je dois trouver ce que je cherche, c'est important. Peu importe ce dont vous... Oh, pardon, je ne fais qu'explorer. Eh bien, allez. On va la faire, on va y arriver. On va tellement y arriver qu'on va même se donner tout ce qu'il faut pour y arriver. Objet, vêtements. Troc, troc, discours, voilà. La 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 la. Oh, oh, doucement, c'est... Je dois vraiment passer, je dois trouver ce que je cherche, c'est important. D'accord, d'accord. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un de dangereux. Mais oui, tu as vu mon costume. Je vais voir Vance avant de traîner partout. Il est généralement dans la mezzanine qui donne sur la salle commune. C'est quoi c'est un... Parlez-moi, je dois y aller, d'accord. Oh, allez, faites un peu attention à ce que vous faites. Merci, mon bon ami. Permettez que je me déshabille devant vous et que je me rhabille ensuite. Voilà. Oui, non, j'aimerais ne pas entendre cette radio. Je peux pas la désactiver sans me faire. C'est l'Amérique. L'enclave est votre sœur, votre tante, votre. Voilà. Parfait. Tiens, au passage, est-ce qu'on peut leur voler 2-3 trucs? Permettez, je fouille, hein, c'est tout, hein, simplement. Gorge et peine, ça doit être un truc pour la maladie, ça. Voilà. Pour le crochetage, hein, non, même pas. Bah écoutez, pourquoi pas? Je m'en fous, c'est des voleurs et des tueurs. C'est des voleurs et des tueurs, jeu de merde. Sois pas si stupide. Inutile de penser à entrer là-dedans. Et oui, bien sûr. Pour qui me prends-tu? Vous pouvez pas prendre ça! Oh! Quoi? Il m'a tout piqué! Il ne me volera pas tout. Espèce de gros sac.
Ah, je préfère. Ah. Appelez. Voyons voir, chers amis, voyons voir, voyons voir. Shérif. Une entrée correcte. Zéro entrée correcte. Alors. No wing. Oh, zéro entrée correcte avec secrète. Bon, on sort. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est bon, je sais des voleurs et des tueurs. Hein. Je vais pas me faire chier. Housing. Ah, il y en a deux. Dragons, il n'y en a plus qu'un. Siphons, il n'y en a plus qu'un, donc ça vaut pas le coup. Hop. Retentons notre chance. Cousins. Getting reasons. Toujours pas. On va faire un petit F9 pour arrêter de bousiller notre karma. Defense. Earring. Cutting. C'est toujours pas ça. Juste pour voir. Petite info. C'est pas les mêmes même quand je recharge. D'accord. Staying. Meaning. Smoking. Bah, c'est chiant. Physics, 3 sur 7. Putain. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur 7, donc c'est bien SPI. SPI, SPI, SPI. Putain, si c'est pas ça. Pitiful? C'est pas pitiful. Putain. Mais c'est censé être facile, hein. Sending, costing, costing, non, letting, non plus. Cutting, putain, non plus. On va y arriver, chers amis, hein, jusqu'au bout. Serving, ah, serving, il y en a un paquet. Resting, donc c'est ting en fait qui est intéressant. C'est pas ting. C'est pas grave. Et B. Alors attendez, on va mettre la tenue de science, hein, parce qu'on a une tenue de science normalement. Voilà. Voilà. Jutting. Bah voilà, c'est jutting. Correct, 30 points d'XP, d'accord. Connexion. Déverrouiller la porte d'accès à la station. Porte déverrouillée. Voilà. On aura réussi, tant bien que mal. Vous n'avez rien vu, chers amis. Alors, je suis curieux de voir où est-ce qu'en est mon karma. Je suis bon, je suis un dignitaire. Alors, ça doit être cette porte-là, mais ça doit pas être cette station-là que je cherche, si? Ou alors, c'est juste l'entrée, peut-être? Oui, bon. J'ai déverrouillé la porte. Y aura-t-il encore des pièges? Normalement, non. Tout cas, pas par là, semble-t-il. Oh, mais c'est que c'est joli en plus ici. Et... Désactiver la radio. Je vais pas leur voler leur whisky, c'est quand même des gens honnêtes, hein, bien sûr. Par
contre ça, je ne vais pas me gêner. Respectez mon autorité un petit peu, oh. De 50 en science est requise pour pirater ce terminal. Non! Donc je n'ai pas 50 en science actuellement. Bon bah c'est cool à savoir. Hop. Ça me rappelle un peu. Alors attendez, c'est dans quel truc ça? Ah, oh, je l'avais il y a 2 secondes. Ah, c'est avec Patrick Swayze si je me trompe pas, ou un de ses clones. Ah merde, mince. Je sais plus. Je ne sais plus du tout, je suis désolé chers amis. Je n'ai plus la moindre idée. Oh. Oh, je peux rentrer? Vous allez me dire, j'ai pas pris les cigarettes. J'ai pas pris les cigarettes. C'est une porte, d'accord. Je n'avais pas compris que c'était une porte. Steak Salisbury. Donc non, moi je cherche toujours les bombes sucrées, chers amis. Inventaire de Karl. Ouh. Hop, ça c'est fait. Ah, j'ai pas de quoi la crocheter celle-là, c'est dommage. Ouh, jackpot. Oh, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut apparemment. J'en ai rien à foutre de mon karma. Ce qu'on appelle communément un jackpot, chers amis. Ils me font chier avec cette musique. Autant vous le dire, ils me font chier avec. De coca vide, et ben ça m'intéresserait si elle était pas vide, mais malheureusement elle l'est. Donc, casier, casier. Bon. Ben malgré tout, on s'est fait quand même un petit jackpot là. Donc la messe est terminée apparemment, c'est cool. Non, non, ça me rappelle. Ça me rappelle un truc, cet endroit me rappelle un truc, mais je me rappelle plus quoi exactement. Mais bon, les amis, ça, on va se le voir dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.